n'est pas sur le mort de la famille. Il était un président de la République. La partie congolaise de l'honorer comme il le doit. Voilà. Nous voyons ici, dans le monde entier, quand un président, que ce soit un ex-président, on met un drapeau sur le cercueil. Donc si aujourd'hui, il n'y aura pas le drapeau sur le cercueil, le drapeau là, c'est nous qui l'ont acheté. Ce n'est pas la famille. On ne demande rien à la famille. D'ailleurs, si le drapeau là ne sera pas sur le cercueil, je ne suis pas sûr. Peut-être croyez que je suis sûr. Que ce soit les Atada, que ce soit les Tatimabiala, que ce soit les. Comment on appelle là, l'autre qui est là. J'ai vu là, le mairie Martin, personne ne va rentrer. C'est la police qui viendra nous chercher ici. Voilà. On est des patriotes. C'est Sassou qui a fait ce que non, Pascal Issoubasso en tira en exil. Et c'est le même régime qui envoie à Dada ambassadeur pour venir s'incliner devant le cercueil de Pascal Issoubasso. C'est une honte. C'est une insulte d'abord pour la famille. C'est une insulte pour nous les Congolais, pour nous les démocrates. Aujourd'hui, les Tatimabiala doivent savoir que non, aujourd'hui, ils peuvent rouler librement. Ils sont là, on les agresse pas. Mais ce sont des gens même à gifler ceux-là. Pourquoi? Parce que nous, on a sacrifié nos vies. On ne peut pas rentrer au Congo à cause d'eux. Aujourd'hui, ils sont en train de pactiser. Laisse-moi, ils sont en train de pactiser avec un régime barbare. Avec un régime qui détruit le poule pendant des années. Issoubasso a fait combien d'années en exil? Il a fait combien d'années en exil? Ils n'ont même pas honte. Regardez ceux-là. Regardez-moi les trucs. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils sont en train de manger avec dénonciation de ce qui est criminel. Qui a fait, je ne sais pas, 40 ans de pouvoir. Mais le monsieur, il vient tranquillement. Voilà. Mais nous, on a dit que ce soit Tatimabiala, que ce soit Mounari, peu importe, un leader politique, des faux opposants là, celui qui va se déclarer à l'élection présidentielle, ce qu'on a fait à l'ambassade, je le dis, c'est à Dada. C'est à Dada. Je le dis, ce qu'on a fait à l'ambassade. L'ambassade qu'on a brûlé là, on le fera aussi pour leur famille. Parce que nos familles sont en danger. Nos familles sont en danger. Du matin au soir, nos familles sont menacées. Les jeunes ne peuvent pas parler. Eux, s'ils veulent la démocratie, pourquoi ils ne peuvent pas négocier déjà avec leur chef? Vous avez déjà vu dans quel pays un leader de l'opposition, Tatimabiala, un leader de l'opposition, ça se négocie ça? Ça se négocie des merdes comme ça? Des cons comme ça, des criminels. Non. Ça, c'est des faux opposants. Voilà que M. Tatimabiala, les assassins comme ça, les bandits comme ça qui se pactisent avec Denis Sassou Nguesso et qui viennent s'incliner. Voilà. Les criminels comme ça là. Monsieur Tatimabiala, si tu vas aux élections présidentielles, on va chercher votre famille. Dites, sachez-le. Si vous partez aux élections présidentielles, on cherchera votre famille. Si vous faites tuer les Congolais, on cherchera aussi votre famille. Monsieur Tatimabiala. Vous êtes un blesse, on ne va pas la toucher. Non, on ne touche pas, monsieur. On ne touche pas. Oui, non, on parle normal. C'est un criminel, monsieur. C'est un criminel. On doit le parler. Ce sont les gens là qui ont poussé le monsieur là en exil. Voilà, les gens là, les faux opposants. Monsieur Tatimabiala, si tu vas aux élections présidentielles, tu accompagnes Sassou, on cherchera ta famille. Tu mets les Congolais en danger, on cherchera ta famille. Sache-le. Sale chien va. Le traître va. Tu m'as plus bien au nord, hein. Le drapeau au nord, c'est la famille. Ah, Dada aussi a eu sa part, toi aussi tu finiras par avoir ta part. Le drapeau plus au nord. Voilà. On parle, monsieur, on ne touche personne. On ne touche personne. On a le droit de parler, c'est notre citoyen, c'est notre compatriote. Voilà. Voilà. Pourquoi on ne peut pas? On parle. On parle pas calmement. C'est criminel, monsieur. Vous savez pas comment ils ont délé les familles des gens au Congo? Ben voilà, si ça vous intéresse, laissez-nous parler. Nous, c'est lui qui nous intéresse, monsieur. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Non. Bien sûr, on est en France. C'est un pays démocratique. On a le droit de l'expression. Ben oui, on s'exprime. On n'insulte personne, monsieur. On ne vous insulte pas. Voilà, nous, c'est le monsieur-là qui a fait tuer les Congolais. Un criminel comme ça. Tatimabiala, dis-toi que non, si tu accompagnes Denis Sassou Nguesso, on cherchera ta famille. Tu peux pas mettre les Congolais en danger. Voilà. Honte à vous. Honte à vous. Que ce soit les parfaits qu'on est là. Que ce soit les Mounari.
seul ou celui qui mettra les Congolais en danger pour 2021. On cherchera vos familles ici-là. On ira en prison, nous aussi. Les imbéciles vont. Les criminels. Honte à vous. Ne viens plus être là. Votre. Je devais être fariné aujourd'hui. T'as vraiment eu la chance. Parce que c'était les obsèques du président. Sinon, t'allais avoir des baffes. Et on se retrouve au commissariat. Voilà. Des bandits. Vous voulez pas que les gens parlent. Après, on va dire que c'est la France. C'est vous qui faites des traversées maritimes. Moi, je sais le nombre de gars. Monsieur Mabiala, je connais le nombre de gars que tu as envoyé de, en France là, la semaine dernière. C'est là-bas, le salopard, va. Mabiala, tu fais la traversée maritime. Mabiala, tu fais la traversée maritime. On développait ton pays avant. Non, non, monsieur, le traversée de sa côte, vous l'avez trahi. C'est pas la France. C'est traite, va. La France, on pose de merde. Il n'est pas opposant. T'as eu vraiment la chance, mais c'est Tatima Biala. Vous avez vu comment vous vous baladez tranquillement en France? Parce que la France s'est battue pour cette liberté. La France s'est battue pour être heureux. Les Français se sont battus. Sale chien, va. Traite. Qu'est-ce qui se passe? Sale père de va. Vous allez le payer un jour. Vous allez passer au tribunal de vous. Vous justifiez le coup d'état qui a été passé pour enlever Pascal Issoufa. Tadima Biala, on t'attend que tu fasses une erreur. Tu arrêtes. On n'a rien fait pour nous. Si tu continues, on te chercheras. Toi, tu restes en France ici. Président, tu es candidat à la présidence. Va là-bas, boulet d'oc. C'est bon. On a donné des messages, c'est bon. C'est bon. Il est parti, mais la République va arriver au Congo. La République va arriver au Congo. Vous êtes imbécile. Voilà, tu me connais. Vous me connaissez. Vas-y, là, ton aimé. Ça, c'est mon aimé. Tu as le kilo de venir même. Aux obsèques du président Pascal Issoufa, honte à toi, sale traite, va. Regarde comment t'interviews, tu es à l'aise ici. Au Congo, tu peux le faire? Sale chien, va. C'est bon. Toi là qui es en train de faire comme ça là, ne fais pas ça. Ici en France, on te cherchera, on se mettra des moyens pour te chercher toi. Toi tu fais la grande gueule là, et Mabiala va rentrer au Congo. On te donnera même des patates ici avant de partir. Continue comme ça, tu vas voir. Issoufa est mort à cause de vous. Il a perdu le pouvoir à cause de vous. Vous étiez ministre de la Défense. Vous l'avez protégé? Aujourd'hui, on a tué les gens en poule. À cause de vous. Et tu sais même pas que ça se tue. Nous, on a. Issoufa est parti, c'est bon. Ça, c'est une variété. Ça, c'est une vanité culturelle. Et qu'est-ce que les vanités culturelles que tu as fait? Moi, je venais dire que vous Congo n'a qu'à crever. Vous n'avez pas honte. Il vit à Paris. Il vit à Paris. Hein. Salopard comme ça. Attends, tu reviendras à Paris, toi là, le gros là. Non, il n'y a pas besoin de le Paris. Le pompeur là, attends, tu vas venir à Paris. Il faut leur imposer la République là-bas. Les jeunes sont avec moi. Imbécile, va.
la jeunesse. Nous, on ne peut plus rentrer au Congo. Vous êtes là, rentrez au Congo. Vous croyez que... Attendez. S'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord. Oui, non, mais nous, on le fait normal. On ne fait rien, monsieur. On fait normal. On fait rien. Oui. S'il vous plaît. Mais oui, on ne fait rien. Non, c'est pas du scandale, monsieur. Amenez le corps du vieux. Tu fais le malin, on te cherchera à Paris. C'est bon. Tu fais le malin, on va t'attendre, on va suivre ton cortège. Tu auras des patates, toi. Donne des messages, c'est bon.